s'est déclenché tout seul, on va en profiter pour faire une prise. On aura ma tête comme ça. Bah oui, tant qu'à faire. Et hop sur Johan. Salut, génial. Bon ben voilà. C'est la première journée d'activité parachutiste. Ils reprennent, ça fait combien d'années ? 40 ans. 40 ans, ça fait un sacré bail, 40 ans. C'est les années 80. Donc c'est un événement, j'ai pris des images. Mais qu'est-ce que donc le Johan regarde-t-il là comme ça ? Moi je regarde des parachutistes. On vient d'assister au décollage du Pilatus qui est là-bas. Largage de 2x2 paras, donc en binôme bien sûr, puisqu'il y a un instructeur et un parachuté. Et après, on les a vus atterrir, on a tout le monde vu tout le monde atterrir. C'est excellent. Hein. Ouais, tout à l'heure, ils ont atterri. Ouais, de l'autre côté, là, ils ont. Bon, Johan a dit qu'il prenait le prochain vol en fait, hein, pour sauter. Hein. Non, j'ai mal compris peut-être. Bon, moi, il faudrait que j'essaie en tout cas. Bon, n'empêche, t'imagines le matin, tu viens, activité para, pum, tu manges, tu repars. Ah ouais, je t'attends au sol. Non, Johan, on fait tout en binôme, en équipe. On est une équipe. Du moment que c'est pas toi qui tiens le parachute et tout, tu vois bien. Ok, allez, bon, on va se concentrer un tout petit peu. Donc, pour la petite histoire et rentrer dans le vol à nouveau, nous sommes à Auxerre. Ah, là, ici, Auxerre, donc... deuxième, troisième fois ou quatrième fois que je viens, après la grande nave, les entraînements. Donc, on va décoller d'Auxerre, on va aller en principe au sud. On va tirer quasiment vers l'est, vers Auxerre, et ensuite remonter vers le nord pour aller intercepter la route qui vient de Joigny. Donc, quand on va activer le plan de vol, on mettra LA, GP, GK, MLN, ECO. Bon, de toute façon, c'est ce que tu vas faire. Alors, donc là, il a mis aussi ça là-dessus. C'est parfait. Si on se perd, Johan, ouais, on a le GPS. C'est qu'on est désespérant. Ok. Alors, la visite prévoit être effectuée. La barre de traction n'est pas ici. Les documents pilotes sont rangés. Le ramètre, il est noté. 3, 2, 1. À 12h28, pardon. Auxerre de Fox Golf novembre Alpha, bonjour. Fox Golf novembre Alpha, Auxerre, bonjour. Donc le Fox Golf novembre Alpha, deux personnes à bord pour un DR400 à destination de Logne pour prendre les paramètres. Fox novembre Alpha, piste 18 en service, vent 260 degrés, 4 nœuds, QNH 1012 est rappelé au point d'attente Alpha derrière le C552. 1012 au QNH, piste 18 en service, on se déplace en Vatel, novembre Alpha, en Alpha derrière le 152, on fera les essais moteurs là-bas. Ok. Voilà. Auxerre de Fox novembre Alpha, je suis prêt. Fox novembre Alpha, vous pouvez pénétrer, rappeler à ligne près 18. Je pénètre et je rappelle le près en 18, Fox novembre Alpha. On enlève le frein. Tiens, hop, on n'a pas mis ça. On le mettra là-bas, on a le temps. Dans quelle direction tu vas le mettre? Comme ça, sur la droite. Alors en fait... Ah, perd plus la raquette. Reçu hôtel Sierra, rappelé vertical. Je rappelle vertical, bien reçu. Hôtel Sierra. Faut faire gaffe, Johan, PMB est à bord là. Tape là, je commencerai à me faire du souci. Bon. Ah ouais, c'est nickel ça. Bon, on va juste avoir un peu chaud, c'est tout. Oh, ouais. Ça va turbuler un peu sur les forêts, un peu, je pense. Ouais.
donc il a dit qu'on rappelait quand on était prêt de toute façon. Ouais. Il y a le hôtel Sierra qui est à la verre Cal. Ok, on est sur un 185, je reste à 1200 tours. Il est 12h42. 12h42, j'ai donc la pompe, j'ai un cran de volée, j'ai lui, j'ai pas de bazar allumé, charge alternateur elle est bonne, on est d'accord. 42, ouais. Auxerre de Fox Novembre Alpha aligné en 18, pré-décollage. Fox Novembre Alpha vent 270 degrés sineux, QNH 1012 pour info trafic à un Cessna 152 en verticale des installations et rappelé en sortie pour quitter. C'est bien reçu pour le Novembre Alpha, visuel sur le Cessna, je rappelle en sortie pour quitter, nous décollons. Talon au plancher, le badin il vient de s'activer, il n'y a pas d'alarme. Le manche en avant légèrement à droite a priori, badin carrément actif. 46 nœuds. Au CERN, le Fox Hotel Sierra, 2500 QNH, vertical de vos installations. Tire. Direction légèrement à droite. Direction basse. 186. Fox Hotel Sierra, rappelé en sortie zone. 2400, on est parti. Je rappelle en sortie zone, Fox Hotel Sierra. Je commence à compenser, 70 nœuds. On est déjà à 80 nœuds, bon bah très bien. Bye bye Auxerre. On va se faire branler un petit peu, 70 nœuds en grimpe donc. Hein. Olé. Ok. Au chrono. pieds. On est à 300 pieds seul là. La vache. Non, c'est la vitesse qui est là. Ok, je vais continuer à grimper un petit peu. Là, je trouve qu'on est un peu bas pour rentrer les volets. 1000 pieds. Montée initiale. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler le patin là-bas. Ouais. Et après, je vais viser les éoliennes. 182 nœuds, montée initiale. Ok, on cherche le 80 maintenant. Un cran de volet en moins. Plus de pompe. 77 nœuds, oups, là, 80 nœuds. On se le maintient. Là, j'ai l'impression de ne pas monter à 80 nœuds. Là. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. 1200 pieds. Tu sais quoi, là, j'ai l'impression que c'est Auxerre déjà. Alors, tu sais quoi, bah, on va contourner Auxerre par le sud. Hein, entre changement de plan. On est carrément sur Auxerre en fait. Ouais. Ok, bon on va faire ça. 1400 pieds, 80 nœuds, on continue à grimper. Auxerre de Fox Hotel Sierra, je quitte la fréquence pour SIV SEN 4 sur le 120 décimal 32. Bonne journée, merci pour le contrôle. 1500 pieds, 80 nœuds, QNH 12 et bonne journée. QNH 12, merci. Bon, donc en fait c'est ultra court. Auxerre de Fox Novembre Alpha. Fox Novembre Alpha, Auxerre, j'écoute. Donc le Fox Novembre Alpha, on contourne Auxerre finalement par le sud, on monte à 2400 pieds, on va quitter le circuit dans 30 secondes. Bien reçu Fox Novembre Alpha, QNH 1012 et bonne journée. QNH 1012, merci, bonne journée également, au revoir. Je change de fréquence, s'il te plaît. Donc on est à 25 degrés seulement, j'ai l'impression qu'il monte pas. Oh si, il est trimé, hein. Regarde. Non, pas tout à fait. Hôtel Sierra, j'écoute. Bon, ben, Fox Golf Charlie, Hôtel Sierra, Cessna 152, une personne à bord de départ de Auxerre, direction Logne,
à 2500 pieds QNH, à 1 minute au sud de Joigny. Fox Golf réservé au Telsira, transpondeur 3415. Transpondeur 3415, Fox au Telsira. 2300, on est à 100 pieds, UGC. Lima Charlie, j'ai visuel sur Chalon Curie pour quitter la fréquence. Lima Charlie, 7000, quitte, au revoir. Lima Charlie, 7000, je quitte, au revoir, merci. 2450, hop là, en avant. Voilà. 2400 pieds, stable, on laisse accélérer. Accélère. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais virer plutôt sur les éoliennes entre les deux là. Donc on a l'autoroute peut-être Non, elle est là-bas l'autoroute. Ok. Et c'est du Foxtrot Papa en descente pour intégrer Cerceau pour quitter. Je vais les contacter maintenant, tu peux... Ouais. Non, mon papa reçu et à tout à l'heure. Et à tout à l'heure, Foxtrot Papa. Foxtrot est à droite, c'est bon. Bonjour, c'est Jérémy Alpha Echo Victor, descend level 1 to 0, Samba. Alpha Echo Victor, bonjour, descend initially level 1, 100 to traffic opposite track, 1000 feet below your clearance. Personne en dessous, copy, bien. Continue, descend to level 100, confirm, madame. Affirm, 100 initially high in air, Echo Victor. Initially level 100 in air for Echo Victor. C'est l'information de Fox Golf novembre Alpha, bonjour. Fox Golf novembre Alpha, bonjour. Le Fox Golf novembre Alpha, un DR400, deux personnes à bord. Nous venons de décoller et de quitter Auxerre, actuellement par l'est de la ville. Nous rejoignons une route qui nous amènera à Joigny et ensuite vers MLN, 2400 pieds pour passer en fréquence avec vous. Fox Golf novembre Alpha, transpondeur 3416, identifié. Le terrain de destination, c'est quoi? 3416 au transpondeur, j'ai pas compris la fin de votre message. Logne. Oui, vous allez vous poser sur quel terrain? Ah, autant pour moi, direction Logne, nous allons là en Logne. C'est reçu, donc au Serre Logne, c'est noté, 3416 au transpondeur. Reçu. Alors donc on est ici, on a GP, je regarde ce qu'on a, on prendra un trou au nord, et on rejoindra comme ça le... Bon, non, il a envie de monter encore un peu. Tiens, t'as vu, il ne... a un peu légèrement douleur. Ouais. Donc peut-être qu'il sera identifié. Tiens, ben, je me demande si celle qu'on avait tout à l'heure, c'est pas celle-là. C'est ça l'antenne. Vous êtes identifié, monsieur. Ah, bien reçu, merci, Fox Hotel Sierra. Je suis sur le travers de l'aéroport de Joigny. 2450. Hop là. Voilà. Toujours pas. Donc tu vas arriver jusqu'à à peu près jusqu'à la GP. Ouais, en fait depuis l'antenne, ouais. Je vais prendre la verticale antenne et je vais tirer au nord. Il n'y a que de la forêt, il n'y a rien du tout pour aller intercepter en fait okay. Ici là. Donc comme ça on sera loin de GP. Ouais. Ok, stabilisé. Ben voilà, regarde, on a un beau point tournant en dessous là. Ouais. Il est magnifique, lui je peux pas le louper. Ouais. Personne à droite, personne en face. Ok. On met 100 tours et on vire. On s'arrête au 000, c'est-à-dire dans maintenant. Voilà. On remet 2450. Stable, on admire le paysage et on check les caméras, la 4 elle est bonne, la 3 elle est bonne, la 2 elle est bonne et la 1 sur ma tête. Bonne. Ok. Bon. Ces trucs là c'est quoi dans l'interdit là, le cercle? Ça, je sais pas. Bon, en tout cas on passe à côté. Ah si, oui, c'était la zone avec l'usine, enfin il y avait un point, avec un point plus 1000 pieds.
Bon, on va y passer au-dessus, comme ça on saura ce que c'est. Mais tu te casses, hein. Tu rentres dans ton civil. En plus, il n'a pas volé hier, alors il est frustré. Saligauve. Alors, là-bas, on a peut-être bien... Non, c'est un peu loin pour être Joigny. Tiens, Joigny, je dirais qu'il est complètement à gauche, là-bas. Ouais, la base de la falaise. 11 degrés. Donc ça veut dire qu'on a, ben regarde, ouais, tu vois, un vent de gauche. Hein. Alors je vais reprendre, ben, moins 6 degrés. Moins 0,6, ben, moins 6 degrés. Donc on fait du contrôle, là, de la navigation. Ta, 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 hop là, moins 6 degrés. Voilà. DTK. Non, les irades, je m'en fous. Track, 357. Ah ouais, c'est vachement précis quand même. Le loup là-bas. Ouais, ça donne à peu près ce que je veux. Bon, alors monsieur Johan est un homme heureux. Ouais. En l'air. Ouais, non, ça va bien. Tiens, on regarde derrière là-bas, ouais, ça a l'air d'être dégagé. Ah, American Victor, this is level 70. Ça a l'air d'être dégagé par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Beam Alima, the latest. Ça a l'air d'être dégagé. 70, ah, c'est ce qu'on aurait pu y aller. Ah, ouais. Mais... ça, on saura jamais. Ouais. Bon, en tout cas, le Hawksair était un très bon choix. Ouais, ça puisque on a vu les parachutes et tout, donc. Ouais. Alors, GP, il est quelque part à droite au fond là-bas. Pas tout à fait dans l'axe de l'aile là. Bon, donc ça veut dire qu'en fait, par rapport à la carte... Oh là, pourquoi il m'a mis 100 pieds en moins là? C'est pris une dégueulante. Petite, mais présente. Hein. Fox Golf Charlie Hotel Sierra, contactez Seine, 134.3. Bien reçu, je contacte Seine 134 décimal 3. Merci, bonne journée. Ah, elle doit être low là. Ok, là on va pas tarder à l'intercepter, je pense. Alors GP, il est quelque part à droite, je sais pas où. Là on a un grand panneau, je le vois ici à droite. Encore un peu devant. On voit la piste d'un point, on est perpendiculaire à la piste par là. Non, ah, c'est pas ça. Je pense que c'est ça. Voilà, pour qu'on descend. Ok, donc là je vais prendre la ligne de chemin de fer et je la suis. Je passe à droite de l'avenue Patin. Ah ouais, ok, je suis sur l'axe. GP, ligne de chemin de fer. Ouais, c'est ça. Bon, allez hop, virage à gauche. Personne à gauche. Et donc on cherche un 280. De toute façon, chez où est Joigny, donc on va vérifier si c'est ça. Voilà, approach, Golf Victor 3000, climb into 5000 feet. On a vent de 10 de face, on est sur du 105 GPS. Italia, 3000 Delta, bonjour, Cocaïdon. Pourquoi il nous dit 7 nœuds de face? J'ai 102 en airspeed, 101, 100. Ouais. Un petit 4 degrés, 6 x 4, 24, j'en prends 3. Bon, 276, ça me va. Il est où ce patin? Il est là. Ok, c'est bon. Donc, il est 56. Ah non, c'est GK, le point de point tournant. 2450 d'accord.
Pour moi, Joigny, c'est ce qui est juste en face à gauche, là. C'est la ville. La ville de Joigny. Ouais. Et le terrain? Le terrain, il doit être sur la colline qui est juste à droite, là. Okay. Je le vois pas vraiment, mais en principe, il doit être là. Ouais. Bon, alors ce que je vais se faire, hein, ça sera pour la... On pourra l'avoir en fond, on pourra pas. Donc je vais le mettre sur ma gauche. Ouais. Comme si je me mettais en vent arrière. Enfin, dans l'axe pour aller faire une vente arrière. D'ailleurs, là on arrive. Bon, allez, Joigny, on se pose. Non, Johan, on ne touche pas à mon manche. On garde les mâles là. Tire un peu à droite. Ouais. Ouais, mais je fais en sorte d'arriver avec l'aérodrome bien sur la gauche. Bon, alors donc on a un gros blé de ville là. C'est celui qui est là, ça doit être Migène. Migène avec la voie de chemin de fer qui arrive sur le canal. Delta Écolima Alpha 2 fois. Delta Écolima Alpha 2 fois, j'écoute. Derrière c'est bien Joigny, Migène. Delta Écolima Alpha 2 fois, transpondeur, passez votre message. Je pense que je vois l'axe de piste. Alpha 2 fois, passez votre message. Le terrain doit être là-bas, le truc entre dans le forêt, non? Oui, juste à gauche là-bas. Ah. Bledville et Bledville. Alors, quelque part là-bas, si je vois la trouée de d'Auxerre en principe, du terrain. Oh là, 2300, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est mon téléphone. Il sonne, hein? Je sais pas qui c'est qui m'appelle. Il n'y avait personne qui m'appelle. Ok, c'est l'écho qui va le faire deux fois. Ouais, je suis pas tout à fait à 2450. Et du Fox Hotel Fox 1, papa, bonjour. Ça fait un peu lent, répétez. Le Fox 9, papa, de Saint-Flot, le Grand Caravane, bonjour. Novembre, papa, vers quel niveau? Je vois rien sur le terrain. Novembre, papa. J'ai reçu novembre, papa, rappelez avant de larguer. Rappelez avant de larguer sur 135, novembre, papa. C'est quoi? Allez, l'Italia, 3-2, Delta, Clamével 110. Let me to follow the 110, please confirm the route after Arsil. After Arsil, I call you back. Okay, stand by, call for you, so attack them, it's level 110. Le Fox Bravo Sierra en montée pour le niveau 115 à Auxerre pour un largage. Bravo Sierra, tu rappelles avant de larguer. Je vous rappelle avant de larguer. L'Italia 3-2 Delta on next sector request, fly heading 180. Heading 180 to the left, Echo Alpha Victor Delta. Echo Alpha Victor 3-2 Delta, report heading to Paris 120 decimal 950, good day. Paris 120950, au revoir, Echo Alpha Victor Delta. Norme 600, novembre 6296, Romeo, contacté BAL 124 decimal 105, au revoir. Delta Echo Lima, deux fois. Novembre 6296, Romeo, contact Basel 124.105, côté. Alors, on arrive sur le point de vol, la prochaine route sera du 319, direction le Voir de Melun pour 20 minutes. Novembre 6296, Romeo, contact Basel 124.105. Ryanair 4 Echo Victor, contact Paris, contact De Gaulle, 121 decimal 155, good day. J'ai dit quoi? 121 decimal 155, au revoir Ryanair 4 Echo Victor. Non, 02. Ça fera donc du 13-22. 7, 7 Echo, 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 7 Echo,
Ouais, c'est rare qu'il y ait des gens là. Ouais. Pourquoi leur mettre un peu d'animation. Ouais. Donc en fait, je vais pas tourner sur celui-ci, je vais aller un tout petit peu plus loin. Et en fait, c'est pas 319 que je vais prendre, mais 321. Ok. Parce que quand je fais ça, j'ai regardé, ça me permet d'avoir le radial, qui est bon. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis Melun, ce qui est dommage. Ça permet ensuite d'être sur, comment dire. Alors Melun, c'est... Fox-Oscar-Lima. Fox-Oscar-Lima, j'écoute. Oui, madame, puisque conserver cette route actuellement au 330 voilà. Et verticale, de niveau vers le bord de Chassion, qui a dû bouger. Pour éviter les TMA de Paris, donc, je vais prendre 30 de ma route. Je vais alors pour l'instant, ça même, passe, oui. Oui, Oscar-Lima, je poursuis. Ah, c'est beau. C'est plus beau que dans le Tibu. On a du P3D version 18. Avec une scène française 2014, n'importe quoi, 2024. Ok, 300. Alors attends, alors j'ai dit 30 secondes, ça fait pas 30 secondes. Normalement, je vais sur la gauche, Alpha 2 fois. Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, contactez. Alors, regarde, reste ici ma fréquence. Reçu pour le Novembre Alpha, on passe sur 134.3. Affirme, allez. 321, j'ai dit. Voilà, 320. G92, 321 moins 5. 300. Plutôt 315. Hop là, voilà. Ok, on est cadré. Et donc je suis passé à, on va dire, mon point, je l'ai pris à 0,3. Voilà. 320, non 315 garçon. On a changé de fréquence, merci. C'est l'information de Fox Novembre Alpha, bonjour. Novembre Alpha, bonjour, j'ai les éléments portiers. Il a dit les éléments, ouais. Ouais, c'est bon. C'est reçu pour Fox Novembre Alpha. Ça n'a pas l'engagement, seulement pas d'engagement en descente en retard. Et est-ce qu'on va me reçu pas de trafic connu qui vient de faire? À tout à l'heure. Alors, le vent. J'ai dit 321. Ouais, j'aurais fait tourner dans l'autre sens, hein. Après, si tu appuies lentement, pendant une seconde, directement, elle va se mettre en QDM. D'accord. Ah bon? Oui. Directement dessus. Oui, ça te tourne n'importe comment. Oups. Même là, t'es pas dans AM. Non, je suis pas en course, là. T'es pas en course, ouais. Même t'es n'importe comment, ouais. Il revient directement. Ah yes, d'accord. T'as bien lu le manuel toi, c'est bien. Je l'ai lu pourtant, mais ah non, parce que pas forcément sur celui-là. Bon alors, on a une jolie ligne de chemin de fer. C'est l'info de Mike Delta, on passe sur du terrain de Moret pour rejoindre Belin. Ok Mike Delta. Rappelez pour quitter et pour info là dans votre secteur midi de nautique, 1000 pieds bas en évolution à 16.172. On est mal ça, on a visuel. Reçu. Fox Kilo Yankee, un trafic juste derrière vous, actuellement 1000 pieds haut en descente, qui a visuel sur vous en route. Donc on va éviter de se rapprocher de celle-ci. Fox Kilo Yankee, vous pouvez passer avec l'auto-info Melun 121 décimales, unité transpondeur. C'est là, je sais pas comment elle s'appelle. Pas de soucis, je vais jouer un 121 transpondeur. Ça te l'air là. Hop là. Love Sirion. C'est ça, merci. Ah ben, sens il est là-bas alors. Fox Mike Delta, pas de trafic connu à vous signaler, il y a juste devant vous le Kilo Yankee qui est passé sur 121 unités. Donc vous pouvez passer 121 unités, comme ça vous ferez les infos relatives et transpondeurs sur 7000.
Sur 6, c'est l'info, contrôleur sur 7000, je passe sur 321 unités en veille, bonne journée à vous. Bon, retour à l'arrière-moi. Voilà. Un peu de symétrie. Devant 4 nœuds de face. Fox Victor Papa, pour quitter la fréquence, j'ai passé sur Victor Papa. Victor Papa, transpondeur 7000, et temps 3950, au revoir. Ouais, c'est vachement bien. Transpondeur 7000, au revoir. Si tu veux faire des photos. Tiens, d'ailleurs, regarde. Ah non, je prends. Hop là. Tiens, attends. Voilà. Ouais, il est allumé. Si tu prends l'eau aussi, s'il te plaît. Ça donnera un point de repère pour la première image. Comment ? Prends d'abord l'eau avec la ligne de chemin de fer, comme ça je sais que tu auras pris la première image ici. Ouais. Puis après, ben, tu fais comme tu veux. On se fait un peu secouer là, c'est terrible ça. Joanie, alors on va intercepter une grosse route là. Ah oui, c'est l'autoroute à 19 je crois qui grimpe, qui va sur sens. Ah, pour ça avec la caméra c'est mieux, je touche pas à ton manche, ouais. Comme ça je t'ai occupé. Hop. Ouais, la plus pénible en fait c'est l'autre derrière. Ouais. La caméra tête fonctionne. Ouais, ouais. Elle fonctionne là-haut. Oui, oui. Ok. Attends. Parce que depuis tout à l'heure que je passe devant tes lunettes nord, il n'y a pas eu une seule fois rouge. Ah. Il y a un truc là-bas, je sais pas ce que c'est, mais vu d'ici, ça ressemble vraiment à une piste de pique dans l'axe comme ça là. C'est mon point de repère. Oui, mais je pense que c'est pas une bonne piste, c'est des hautes tensions. Ah bon? J'imagine. On verra quand on se rapproche, mais... Surtout, faut pas atterrir dessus. Parce que... non, c'est ce que je vois, moi. Non, non, je parle vraiment de celle-là. En fait, ça fait quand même un petit ruban, tu veux prendre 10 km dans la forêt, tu mets un plat d'une surface. C'est les hautes tensions qui passent par là, ils vont dire jusqu'à là-bas, non? Non, non, je te parle vraiment au fond, là-bas, quasiment un doigt sous l'horizon. Ah, là-bas. Ça fait Oscar Juliette. Ah là, l'autoroute. Fox, bravo papa Oscar du Hudson. Pas bien ça. Alors, on passe juste au-dessus. Bravo papa Oscar du Hudson. Bah c'est nickel, on est pile sur l'axe. Baps. J'ai un nouveau point de repère maintenant, c'est celui qui est en face. Là, j'ai Oscar passé. Zulu, à 3 minutes de Blois. Oscar Zulu, 7000 qui tient bas. C'est carrément bizarre cet échangeur. Enfin, c'est pas un échangeur, il y a une erreur. Je vais avoir 500 photos à traiter, 500 les gars. Bon, demain je téléphone à mon boulot, je viens pas la semaine prochaine. Fox India Tango, faites attention à la Papa 34 sur votre gauche, là où vous allez la tangent. Vous ne tournez pas plus à gauche, sinon vous allez rentrer dedans. Plus en dessous, voyez votre Bruxelles. Merci VCN 1 de Fox Hotel Sierra, je quitte la fréquence pour passer sur la fréquence de Nangis. Reçu Fox Hotel Sierra, 7000 quittés, au revoir. Je passe 7000 au transpondeur et je quitte Fox Hotel Sierra. Merci, au revoir. Il y a un truc qui est bizarre. Salut, pilatiste Bravo Romeo, il est 30 du parachutage au 135 à Saint-Denis. C'est que j'essaie de mettre celui-ci en courant une direction, mais ça ne veut pas puisque j'ai pas besoin de dégâts. Par contre, la base que je vois, c'est bon trop finalement. 317, ça me paraît bien, avec 679.
2400 pieds, on a l'impression que c'est parti. C'est fou ça. Québec Alpha, en sortie, on suit 7000 pieds de la fréquence, par info disponible 126 unités, au revoir. 7000, on quitte, par info 126 unités, Québec Alpha, d'accord. Une autre tension là. Dans la forêt, t'as vu? Ouais, stack. Ouais, c'est, je pensais. Et puis on la voit bien derrière, effectivement. Ouais, je pensais que tu parlais de ça tout à l'heure. D'accord. Ouais, tu parles plus un peu plus loin. Non, je parlais. Alors, je sais même où il est là. Ah, mais si, on l'a toujours, oui, on l'a toujours en face. Hein. Bon, on va suivre relax de là. Ah bah tiens, là il est bien foutu là. En fait, j'arrive pas à mettre dessus, tu sais, vraiment. J'y suis un moment, puis après il va à gauche, oui, il va à droite. Le en fait, dès qu'il a une oscillation de 2 croix de degré... Après, si tu veux, tu passes en GPS, et comme ça tu mets le CD, tu passes en GPS. Ah ouais, mais le GPS il m'amuse pas. Parce que le GPS en fait il est là. Ouais. Tu peux l'avoir sur le truc au lieu de, ah bah oui, de voir, mais... Sane information, Golf Alpha Zulu, Foxtrot Alpha, ah, Flight Information Service. Qu'est-ce qu'il va raconter? Alpha Zulu, Foxtrot Alpha, good day, call back. C'est parfait, merci. Donc quelque part à droite là, on va avoir LFGO, hein, Pont-sur-Yonne. Je vois moi le central de Nogent. Même derrière en fait, on a dû le passer. On a le central nucléaire de Nogent. On a l'eau, la centrale derrière, on a dû le passer, je vois pas l'antenne. On n'a pas dû le passer beaucoup, mais passé. Foxtrot Alpha, good day. Go Fox Alpha, bonjour, je suis Bravo 121. L'affaire t'allait to Amiens, currently 2 miles southwest of Sierra Mike VRP, tracking Mike Lima November VOR, after that turning en route to Mike Tango Delta VOR and then Amiens, currently 1,200 feet, 1002. Voyez Fox Alpha, 7040, confirm full contact. Golf Alpha Zulu Foxtrot Alpha. Golf Alpha Zulu Foxtrot Alpha. 7040. Golf Foxtrot Alpha. Je prends des photos, ça va beaucoup de temps, c'est mieux. Salut pilotis, bravo Roméo, fin de descente à Saint-Denis, à tout à l'heure après la pause repas. Bravo Roméo, bon appétit, à tout à l'heure. Roméo. Ah bien. Ah ouais. Bon alors attends, je suis un petit peu là, je voulais faire des exercices de 60 degrés, c'est ça. Et... Toujours personne devant. Donc en fait c'est pas compliqué. C'est mon tour parce que c'est la première grande prise. Donc t'as la bassée qui arrive comme ça. La de Paris, qui arrive quoi comme ça. Puis derrière on voit la bassée vraiment qui arrive de l'autre côté. Il y a la jonction des deux. Oscar Juliette. Le nord de Montreux. Oscar Juliette, oui. Rappelez en vue de Brienne, les Romeo 15 sont actifs et pour l'instant le parachuteur est au sol. Ok, vous voulez que je vous quitte? Négatif, rappelez en vue du terrain pour quitter. Et pour l'instant, le parachuteur est au sol. Pardon, excusez-moi, bien en vue, je vous appelle. Golf Alpha Zulu Foxtrot Alpha, identify Kenneth 1012. Elle marche aussi, c'est 1012, Golf Foxtrot Alpha. C'est lequel? Devant, maintenant, oui. D'accord. Et c'est l'info Fox Québec, bonjour. Fox Québec, c'est l'info Fox Québec, bonjour. Je crois que vous avez descendu à 2200. L'info Fox Québec, largage par an au départ de Blois, on souhaite remonter au 105 pour le largage à Blois. Fox Québec approuvé, rappelez prêt à larguer niveau 105. Au moment de 05, on rappellera après la largue Fox Québec. Là, la descente de 1200, hein. Hop là, il manque les 50 tours. Toc. Et la source de Fox Québec et TMA Orléans 6 sont toujours inactives. Je confirme. Reçu, donc TMA 6 inactive, Fox Québec, merci.
Delta Echo Lima Alpha 2 France. Rebonjour. Delta Echo Lima Alpha 2 France, information, voilà, bonjour. Là, je commence à descendre, alors je vais faire 220 décoller des derniers. Ça dépend, je suis travers le camp Montmelon, niveau 45, 4330, 3 personnes d'abord. Je maintiens le bon, jusqu'à éternel. Alors, si Delta Echo Lima Alpha 2 fois identifié, recyclé 310, 41. 310, 41, Lima Alpha 2 France. Je sais quoi, il m'a à faire des fois. Oui, je sais quoi. Confirmer le terrain de départ. Voilà. Permet, je me tiens sur le terrain. Reçu, c'est un retour à Prudence, c'est correct. Non, négatif, je vais aller à Lons, Cours-la-Hou, Lons-Saunier, et j'ai changé mon plan, je retourne à Épernay. C'est noté, la Décolima Alpha 2 fois, pour info, des planeurs dans le secteur de Châlons-Écurie. Ouais, bien reçu, merci beaucoup. Et je suis intéressé par la dernière de Sol, ça vous est fait. Je vous rappelle, la Décolima Alpha 2 fois. 2, 3, 4, 3, elle s'est arrêtée. Ah ouais. Surtout, après les papas coupés, la dernière de Doltavo de 11h00 de l'eau. À copier. Voilà. Alpha 2 fois, donc à Doltavo, le vent 180 degrés pour 10-2, je suis pas dit, faible pluie, nuage peu, 3700 pieds. Les tempes est 21 sur 18, le QLH 1014 est temporairement un vent du variable de 15-2 avec des rafales à 25 et une visite de 3000 mètres. Et des averses de pluie avec des niveau quand même. C'est bien pris, il n'y a pas de. Pas de. De le tampon. J'ai pas oublié. Merde, c'est à droite. Ouais, sur les tempos des orages. Hein. Temporairement, oui, il prévoit du vent variable entre 15 et 25 nœuds, à l'inverse de pluie avec des orages. D'accord, merci. Ça n'a pas l'air que non. Rebonjour, mon petit niveau 100, mon page. Excellent, on remonte, identifié, rappelez pas la gueule niveau 100. Ah ben là, ton largage niveau 100, l'arrière excellent. Oscar Juliette pour commencer la descente sur Brienne. Oscar Juliette a prouvé que l'H 1012 est rappelé pour quitter. Rappel en vue pour quitter. C'est que l'H 1012. Fox Sierra Victor. Fox Jet Uniforme Sierra Victor. Fox Sierra Victor, j'écoute. Sierra Victor, vous montez à quel niveau? Vous voulez monter au 8-5. Reçu Sierra Victor. Hop, virage à gauche, on récupère. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de trouver le Meuler, le MLN. Hop là, tiens, attends, regarde là. Ah là, je suis dessus là. 900 pieds, on va remonter à 2000. Ah, je crois savoir où il est. T'as une forêt, puis t'as une zone verte devant là. Forêt, vert, forêt. Il nous dit qu'on est à 3 minutes. Ah bon. Ah là, je suis dessus là. Ouais, ça doit correspondre. Hein. Hop là, 2000 pieds. 2500 tours, un poil trop. Donc on a la Seine, derrière là-bas on a la ville de Fontainebleau et la forêt de Fontainebleau. Là il y a Champagne-sur-Seine je pense. Morée c'est quelque part à gauche là-bas, tiens là, la ligne de chemin de fer. Je te rappelle qu'il y a une ligne de chemin de fer qui part comme ça en ligne droite vers pas loin au nord de Morée. Donc il doit être quelque part là-bas. Et là, le patelin qu'on a ici, ça doit être Morée-sur-Loing. Là, ici, Morée-sur-Loing. Tiens, et tu vois, le vent, il est là. Tu le vois devant nous, là? Pile au centre du vert foncé. Oui. Seine, Oscar Juliette, je vigile sur le terrain de Brienne. Oscar Juliette, on reçoit 7000 quitter la fréquence à la prochaine. Bonjour, monsieur, merci. Bonjour.
attendez, déjà de retour, hein. Ouais. Bah, ça va vite, hein. Ça va vite, mais c'est fun, c'est cool. Bien, c'est bien, ouais. Ouais, mais c'est cool, c'est peut-être on aurait pu aller jusqu'à Dijon, mais... Ouais. Ouais. Bah, le problème, c'était pas d'y aller, c'était de savoir ce qui se passait une fois qu'on y était, quoi. Ouais, voilà. On a peut-être été un peu pessimiste. C'est l'info du Fox, Charlie Fox, bonjour. Charlie Fox, information, bonjour. Alors, la route suivante, ben là, Fox, Gothic 3, Charlie Fox, bonjour monsieur, un aquilette de personnes à bord en sortie de Joigny. Actuellement, okay. Un nautique nord du terrain, 2000 pieds, et on fait actuellement route au 060 pour un vol local, on demande la fusée. Fox, Gothic 3, Charlie Fox, transpondeur 70-43, et recontactez-moi 120, décimale 3-2-5. 70-43 et 120-3-2-5, on vous recontacte, Fox, Charlie Fox. Fox Oscar Lima. Oscar Lima, j'écoute. Si vous poursuivez au cap actuel, prévoyez 4500 pieds max ou QNH 1012 dans 5 minutes. 349. Oscar Lima, j'allais vous le demander. Donc, okay, je vais vous demander. Ouais, alors attends. 349, ouais. Ok, vertical, ça va être là-bas. Faut que je passe à droite du patelin. Parce que lui, c'est du haut. Ouais, c'est l'information du Fox, Charlie Fox, 120-325. Charlie Fox, 5 fort éclair. Hop là, compte tenu du vent, vaut mieux que j'aille comme ça, voilà, un peu de sécurité pour passer à côté. 7 7 de Fox, on va voir ça. Qui appelle ? 7 du Fox Golf Novembre Novembre Alpha. Fox Novembre Alpha, j'écoute. Le Fox Novembre Alpha, on vient de passer la verticale du bord de Melun, 2000 pieds pour vous quitter, passant fréquence avec la 121. Hein. Fox Novembre Alpha, 7000 et quitter la fréquence, ça va ? 7000, on quitte la fréquence, au revoir, bonne journée monsieur. Fox Golf Uniform Victor. Ok. Donc tu vois, Sierra Mike, il est juste là. Ouais. On est quoi, on est à Nautique, hein. Alors, il est en boudelle là. Si on allait atterrir sur lui, on pourrait. On y va, on se pose sur le pont. Ok, bon alors attends, le pont c'est un axe quoi. Je te disais que Pepe il était à bord, c'est un truc phénoménal quand même. Il y a quand même du vent, il y a quand même beaucoup d'arbres devant. Bon, on est sur l'axe en fait. 2100. Bela de Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, bonjour. Bela, le Fox Novembre Alpha, DR400 en provenance de Auxerre, à destination de Logne, 2100 pieds, nous venons de passer le voir de Melun, nous entrons dans la CTR en ligne directe vers le point Novembre, puis Écho de Logne. Ah oui, je sais pourquoi. Fox, on est à Novembre ensuite, au revoir. Il dit quoi là ? J'ai écouté la 6, piste 26 en service, 1012, et l'information Fox. D'accord, bon. T'as un barreau, t'as 1012 déjà ? Non. Barreau 1012. Bah en principe il doit y être. Ouais, hein. Ouais. Alors 349. On va essayer de le garder, on a du 7 nœuds. 6 x 7, 42, ça fait 4, ça fait 345. Ah bah tiens, tu vois, regarde. Juste à notre gauche là. Pops. Là je vais prendre l'appareil photo là. Hop, oh, je vais le prendre. Tu le vois, il y a... De quoi, le château? Château, ouais. Blondie. Ouais. Attends, t'es trop loin. Tu vas pouvoir mettre un plein zoom, un plein cadre. Et derrière, là-bas, t'as vous le vicomte. Il est où, le vicomte? Oh, il est trop loin, là-bas. Ah. Il est dans la forêt, on le voit. Ah. Hop, là, 2000 pieds. 356. Voilà, pas trop près, pas trop loin. Quand il sera sur ta gauche, ouais. Tu le verras bien. Parce que là, le tableau de bord qui dérange un peu. Voilà, ça va devenir bon. Melun du Fox Novembre Alpha, 2000 pieds, travers est de Blandy-les-Tours. Voilà, ça va être nickel là. Regarde ça. Nickel. Tu le vois bien là-bas? Ouais, très bien. Ah, il est beau, hein.
Hop là. Donc il se visite, hein. Apparemment c'est intéressant comme visite. Hein. Il est vieux, je crois qu'il est de 1300 ou quelque chose comme ça. Longtemps à l'abandon. Oups. On a les portes à la piste de Melun. Ah oui. Melun, novembre alpha, on croise l'axe est de la piste. Aïe. It is stabilized. Ah ouais, en fait, tu vois, c'est ça les deux villes dont je te parlais. Je pensais qu'on allait passer entre les deux, tu vois, ici, ouais. Comme ça. Parce que là, en fait, normalement, ouais, c'est ce qu'on aurait pu faire. D'ailleurs, ouais. Ouais, non, on va aller à novembre. C'est pas à 30 secondes près. D'ailleurs, il est au novembre. Bah, je vais commencer à descendre. Est-ce qu'on a croisé l'axe? Pourquoi tu aurais dû manger du pain en descente? Je resterai à 2500. Ouais, non, mais j'aime bien rester à vitesse constante. Pour la vitesse, hein? Ouais, ouais. Okay. En fait, on va sortir ici. Hop là. Alors, attends. C'est marrant, là, j'identifie pas du tout. Ah bah oui, tu me diras, on en est... Oui, on est sur écho. Maintenant le but du jeu c'est que j'ai réussi à me paumer mentalement, tu vois. Ça va être de retrouver visuellement novembre qui doit être quelque part à gauche en fait. Ah ben il est là-bas je crois. Puisqu'en fait on l'a pas affiché là. 314, ouais. Tu vois, j'ai serré à gauche exprès. On va écouter la TIS. Ouais, si tu veux, je te le mets. Attends, j'ai quitté la fréquence. Ouais, de toute façon, on a 30 secondes quand même. Bah, enfin, en tout cas, information Fox, ouais. Piste 26 et 012. D'accord. Ouais, c'est pour l'avoir dans l'audio en fait. Ok. Ça y est, j'ai retrouvé novembre. Ouais. 125, 025. On peut la monitorer pendant... Ouais. De 230 au 0,80 degrés. Visibilité 10 km, température 29. Quel est le nombre d'antel 1012, en du coucher du soleil, 19h52 UTC. Au premier contact, confirmez l'information Foxtrot reçue, merci. Ouais. Good day, this is London Information Foxtrot, recorded at 10:30 UTC. Runway news 6, caution bird hazard, wind 340 degrees, 5 knots, variable between 230 degrees and 080 degrees. Visibility 10 km, temperature 29, Quebec November Hotel, Mondo 012, sunset at 1952 UTC. At first contact, please confirm information Foxtrot received, thank you. Bonjour à tous, ici London Information Foxtrot enregistre. Hop là. Je vais virer. Voilà, le Fox novembre alpha, 1400 pieds vertical, novembre, nous quittons la fréquence pour Logne. Au revoir, bonne journée. Fox Zulu Echo, gardez pas trop de vitesse, passeur Echo exécuté après le 26h numéro 2, trafic passé en Cessna, fin devant arrière, rappelé final 26h Zulu Echo. Echo numéro 2, rappelons final piste 26 dur, derrière un Cessna, et ça sera pour une option 40 si possible, Fox Zulu Echo. Rassure. Ok, on vient à la Kilo Yankee numéro 1, rappelé final 26 dur. Fox Yankee numéro 1, rappel 26 dur.
check les caméras, la 2 est bonne. Alors on a visuel sur le premier trafic, on n'a pas encore visuel sur le second, Victor. Fox Victor Tango, trafic sens opposé, à qui là, passé haute 300 pieds, haut, et qui approche GRL 26, gazonné numéro 1, rappelé final. La visuel sur le trafic, on rappelle final 26, gazonné Victor Tango. Allez, pour faire Victor, on a visuel sur les deux trafics et on croise Victor Tango. C'était coupé Victor Tango, répète. Ouais, non, c'est Oscar Victor, on annonce le croisement avec Victor Tango et on a un visuel sur le Zulu Echo. Fox Kilian qui est entré à 26. Fox Kilian qui piste 26 heures, autorisé d'atterrissage, voire 2-3 degrés de 2. Autorisé d'atterrissage, 26 heures, autorisé d'atterrissage. Fox Oscar Victor, transfondeur 7000 quitté, à plus tard. Transfondeur 7000, on quitte, à plus tard. Zulu Echo, donc on peut voir une remise de gastre en rentrée nord des axes. Je suis Zulu Echo sur les axes, si vous le désirez. Le presseur au complet, rappelé compte final 26 heures. Bien, sur les axes, on rappelle compte final 26 heures, Zulu Echo. C'est le choix du fond pour Delta Zulu. En tout cas, c'est quand même super agréable de voler avec ce temps-là. Ouais. Soleil dans le dos, là, t'as un paysage. Ça fait un peu. Mais je suis remonté mince. C'est Zulu Echo, piste occupée, remettez les gaz, vent 270 degrés, 3 nœuds. Remettez les gaz dans des axes, Zulu Echo. Il faut arrêter de l'air gazonné au 140. Fox, Victor Tango, piste 26 gazonné, autorisé atterrissage, voire 270 degrés, 3-9. Autorisé atterrissage, 26 gazonné, Fox Victor Tango. Bon, ok, on cherche le 1200 là. 69. Voilà, donc je vais la laisser à ma droite et je vais tirer vers là-bas. Pour essayer de repérer en visuel l'écho. Maintenant, là, je connais bien, donc trop facile. Il doit être là-bas. On est à 3 minutes d'écho, je prends contact avec eux. Tranquille au bilou. 353. Je suis en l'oubli. Voilà. Ouvert sur France, c'est pour lui. En place dans 3 secondes. Mise en place. Mise en place. Ligne du Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, rebonjour avec l'information Fox. Fox Novembre Alpha, ligne tour, rebonjour, transfert 3730, rappel écho. 3730, on rappelle écho Fox Novembre Alpha. Lloyd Tour de Fox Hotel Sierra Alpha Golf, rebonjour. Fox Alpha Golf, Lloyd Tour, rebonjour, transpondeur 3730, rappel écho. Transpondeur 3730 et je rappellerai écho, Fox Alpha Golf. Fox Zulu Echo, en fin de votre arrière, piste 26 dur. Fox Zulu Echo numéro 1, rappel final 26 dur. Numéro 1, rappel final piste 26 dur, Fox Zulu Echo. Fox Québec Charlie Latour, bonjour, à New piste 26 dur, autorisé décollage, vent 290 degrés 5 Fox Québec Charlie, bonjour. D'accord, donc en fait quand on revient comme ça du sud, on vise les grands hangars qui sont là. Ah d'accord, je vois à quoi ça correspond. Ça correspond à peu près à 1000, enfin 1000 à nautique à peu près à l'est des côtes. Je monte un peu je pense, pour monter un peu. Ouais. Ah tiens, tu vois, regarde, il y a un appareil là qui entre. Ouais. Ok, on va prendre un petit peu de gîte à droite là. Je vois personne à droite, on est 1100 pieds, je remonte. Personne, ok, c'est bon. Voilà, 1200. Echo est là-bas. Dès que je vire, je me mets en 89, etc., etc.
Bon, mais c'est bien. Toujours personne, il ne l'aurait dit. Hop là, il est 37. Toi, elle est 36. Ouais. En fait, on est bien passé à gauche, donc à droite, pardon. Fox Alpha Golf, travers Echo. Alpha Golf, exécuté approche direct 26 dur numéro 2, trafic précédent P28, dernier virage, rappelé final. Visualisation de trafic, je rappellerai final en numéro 2, Fox Alpha Golf. Ok, allez. 1900 tours. Non, 2000 tours sur celui-là. Je mets déjà la pompe. On réduit la vitesse, on reste donc à... C'est Zulu Echo, piste 26 dur, autorisé atterrissage, vent 300 degrés, 3 nœuds. Autorisé atterrissage, piste 26 dur, Fox Zulu Echo. Ok, le visuel là-bas, 80 nœuds, on est dans l'arc blanc. Hop, un cran de volée, la pompe, la réchauffe, 1200 pieds. Fox Normal Alpha XX qui approche de la piste 26 dur, numéro 3, trafic passeur PS28, longue finale, rappel final. On pénètre, on rappelle le long final, on est longue finale sur la 26 dur et numéro 3, Fox Normal Alpha. Ok, donc là je maintiens 1200 pieds, non je commence à virer, voilà je suis dans l'axe, 80 nœuds. Je maintiens le 89, ok, je suis dans l'axe, je commence à descendre gentiment. Golfinia, les tours, bonjour, prépare un départ rapide avec un PS28 débit de finale. Golfinia, je suis dans l'axe. Golfinia, et niveau piste 26 dur, attendez, dans un premier temps. 89. On attend Golfinia. Là, deux crans de volée. Je réduis, je cherche 70 nœuds. Je descends, 1000 pieds, 1100 pieds. Ok, dans l'axe. Hop là, 1000 pieds, on est dans l'axe. Golfinia, piste 26 dur, autorisé décollage immédiat, vent 270 degrés, 3 nœuds. On est décollage 26 dur, Golfinia. Latéral là. Ok. Ok, bah je suis 255, c'est trop pense, pas tout à fait dans l'axe. 960 pieds, c'est bien, pas trop bas. Ok, je suis dans l'axe, 900 pieds. Fox Alpha Golf, un signal piste 26 dur. Alpha Golf, piste 26 dur, autorisé atterrissage, bord 270 degrés, 3 nœuds. Autorisé atterrissage, piste 26 dur, Fox Alpha Golf. 860 pieds, on va passer les... On y passe sur, hop là, un peu ballon. 800 pieds, tu vois. Voilà, 900 pieds, 850. Voilà, je rentre dans le plan. 800 pieds, 50, 70 nœuds, ok, je suis sur le plan. Réduit. L'ogne Fox Novembre Alpha en finale. Fox Novembre Alpha, la piste dégage bootbound, piste 26 dur, autorisé atterrissage, voire 290 degrés, 3 nœuds. Autorisé atterrissage de 26 dur, Fox Novembre Alpha. Ok, le plan, 66 nœuds, un peu de gaz. L'axe, 68, je suis établi, je m'enfonce un peu, 68, dans l'axe, 4 de travers, on s'en fout, je réduis, hop là, on se fait secouer normal, je branche pas, je vois le peigne, il branche pas, 70 nœuds, je réduis, 500 pieds, voilà, c'est l'axe, on est bien là, ouais. 69 nœuds, on commence à réduire gentil, donc on va commencer à tirer. Approuvé, Golfinia. Je réduis. Je réduis tout, j'ai tiré à fond. 64 nœuds. Ferme. Hop là, pas tout à fait assez. Pas manqué grand chose, hein. C'est pas grave, hop. T'as fait un top. Voilà.
il s'est passé. Fox Québec Charlie, transpondeur 7000, quittez la putain. Fox Québec Charlie, transpondeur 7000. Réduit, j'enlève la pompe, la réchauffe, je ne vais pas la sauter. Là, les volets. 1200 tours, donc. Clac, clac. Le sol de Fox Novembre Alpha 26 dur dégagé, demande roulage ou pas. Au passage du PZ sur votre gauche, pour les quitter au parking, au revoir. Je laisse passer l'avion qui est passé et je roule au parking. Ça dit bonne fin de journée, au revoir. Il a manqué un poil de l'arrondi quand même. Hein. Ah oui, juste. C'est bien. C'était pas mal, mais juste quoi, un demi seconde. J'étais en train de travailler sur le sur la fin là, t'as vu? Ah, dommage. J'ai été obsédé après par mon truc un petit peu là, tu sais, pour réduire et la vitesse. Ouais. Et j'étais un peu moins attentif sur le visuel. Quand j'avais commencé à arrondir, mais bon, oh, il a pas bougé, Yaiko. Ah, oh merde, c'est vrai qu'il y a la caméra. Bon, très bien. Bon. Oh, ouais, merci. Eh ben, c'était encore un beau vol. Fort agréable. J'ai dit 12h42 au réel. Tu vois, on a mis 38, on a mis 1 heure de vol. Ça fait 1 heure de vol, hein, pour ce qu'on a fait. Et moi, j'ai fait 1h11. Sachant que moi j'ai pas pris la ligne droite quoi. C'est un peu plus long, c'est normal. Ouais. Sinon, voilà. Bon, alors content? Très bien. Très bien. Moi aussi. Ouais. Ça fait une différence quand même. Donc tu vois quand même malgré tout ce matin, ouais, on avait l'espèce de mélasse et tout ça là. C'est quand même pas si agréable que ça de dire tu vas voler et puis tu vas aller dans le fond là-bas. Après le tout, c'est de savoir si ça fait beaucoup. Surtout les reliefs. Ouais, en plus. Je prends envie, mais. Ouais. C'est un peu difficile, hein. C'est pas tous les jours qu'il faut les visiter. À l'année prochaine. Je sais pas s'ils font ça tous les ans. Oh, il y a des chances. Hein. Il y a des chances. Enfin, bref, c'est comme ça. Et voilà. Bon, ben, allez, à la prochaine.